Madame la Présidente, tout à l'heure, notre collègue écologiste Daniel Breuiller a une citation latine. J'en prendrai une autre pour ma part à cet instant. Hic Rhodus, hic salta. Vous connaissez sans doute cette formule tirée d'une fable d'Ésope. Au sens propre, on pourrait traduire par « voici Rhode », c'est ici qu'il faut sauter. Au sens figuré, prouvez vos déclarations ici et maintenant. Pour ma part, il y a deux enseignements forts de ces 6 jours de débat. Le premier enseignement, c'est qu'il n'y a plus une majorité présidentielle et une majorité sénatoriale. Il y a un bloc libéral qui fait front de manière homogène et solide pour porter ce projet libéral de réforme des retraites. Le deuxième enseignement fort, au terme d'un amendement et d'un second amendement, vous ouvrez la porte à un système de retraite par capitalisation. C'est un mauvais coup porté à notre système de protection sociale et je crois que tout le monde s'en souviendra. Alors, mes chers collègues de la majorité, vous vous apprêtez à émettre un vote historique. Malheureusement, ce n'est pas dans le sens du progrès social. Vous portez un mauvais coup à notre modèle social. Et avec le gouvernement, vous partagerez cette responsabilité ensemble aux yeux de nos concitoyens et de nos concitoyennes. D'ici au vote, nous continuerons de débattre et d'argumenter jusqu'à dimanche 12 mars, minuit. Merci. Alors, mes chers collègues...